Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur TV5 Monde pour vos prévisions météo valables pour ce 15 mai. Pour commencer, je vous propose de prendre la direction des États-Unis. Regardez cette vidéo, cette vue aérienne des incendies de forêt dans l'état du Colorado. Plus de 800 hectares ont complètement été détruits. Malheureusement, eh bien, la chaleur extrême va continuer dans ces prochaines 48 heures. Côté du continent européen, nous avons un anticyclone qui est situé entre le Danemark et la mer du Nord. Il va protéger beaucoup de pays de précipitations, alors que nous aurons un petit peu d'instabilité du côté de la Turquie. Côté température, nous aurons encore beaucoup de douceur, voire même de chaleur à l'ouest du continent européen, 5 à 7 degrés au-dessus des normales de saison. Sur les îles britanniques, cela donne du côté de Dublin, ciel changeant, nuages éclaircissent, le temps restera sec alors que des averses sont à attendre du côté de Londres l'après-midi avec 22 degrés sur le Benelux. Demain, une belle journée ensoleillée, vraiment estivale avec de la chaleur jusqu'à 26 degrés. Demain, sur l'Hexagone, un peu de précipitations sont à prévoir sous forme d'averses du côté de Brest ou encore de Nantes, alors que le reste de la France profitera de belles conditions ensoleillées avec jusqu'à 24 degrés du côté d'Ajaccio. En Scandinavie, un petit peu de précipitations au nord de la Scandinavie, au nord de la Norvège, au nord de la Finlande également, alors que le sud profitera de belles conditions ensoleillées, un peu frais pour la saison. Ça sera le cas également le long de la mer Baltique. Descendons en Europe centrale et sur les Balkans. Alors en Europe centrale, de belles conditions ensoleillées, de la douceur, alors que sur les Balkans, quelques averses sont à prévoir en Bulgarie. En Macédoine du Nord, le temps restera sec et calme. Ça sera le cas également en Ukraine demain. Et les conditions anticycloniques, on va les retrouver du côté de Corfou demain avec 26 degrés. Un peu d'instabilité possible demain en matinée au nord de la Grèce. Et puis tout cela va s'estomper. Des pluies à cause de cette goutte froide sont à attendre du côté de l'est de la Turquie. Au Proche-Orient, de belles conditions ensoleillé, ce sera le cas sur la botte italienne demain, du nord au sud, avec tout de même un risque d'averse possible au nord du côté de Milan. En fin de journée, à Porto également, ce sera le cas demain, sinon sur la péninsule ibérique, eh bien, plein soleil et de la chaleur. Pendant que vous découvrez les conditions un petit peu partout dans le monde, je vous propose de prendre la direction de l'Asie, où demain, eh bien, c'est le début de la saison des pluies. Au sud de l'Inde et à l'ouest du Sri Lanka, nous attendons des conditions assez perturbées, avec des cumuls de pluie assez importants. Belle suite des programmes avec nous sur TV5 Monde, et quant à moi, je vous retrouve très bientôt.